Madame Dora Mahfouz, féministe, syndicaliste et sociologue, universitaire. Asselina Dora. اهلا بك، اهلا مرحبا. عايشك. دورا جينيرالمون نبداو ولا الكلنا ولا بتيتر برشا منا نناصروا في حقوق النساء وندافعوا على قضايا النساء سون بور اوتون سو تو بروكلامي فيمينيست. اي ان سارتان مومون يصير لو ديكليك هذاك يقولوا با جو سوي فيمينيست. انت كومون سا سي باسي بور فو؟ Je pense qu'il y a eu un moment assez fort dans mon parcours. Il y a eu une réunion qui est venue juste après Mexico, qui est l'année internationale de la femme 75, c'était en 76, et il y a eu de grandes réunions de femmes qui étaient à la féministes et expertes à la fois, universitaires. Et j'ai été invitée aussi pour présenter quelque chose sur les inégalités de scolarisation entre les garçons et les filles en Tunisie. Et j'ai connu à ce moment-là des figures importantes, qui était Fatima Mernissi, qui était féministe marocaine, Nawal Saadawi, féministe égyptienne, Marie-Angélique Savané, sénégalaise. Et je crois qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté, on a pris conscience que le discours qui se produisait sur nous par des chercheurs féministes occidentaux, ce n'est pas du tout notre réalité, et qu'il fallait donc prendre conscience de ça et prendre en charge notre image ou notre identité en quelque sorte de femme. Donc c'est presque un féminisme local. On sentait déjà qu'il y avait comme une colonisation intellectuelle. On Oui. donnait l'image de la femme arabe soumise. Il y a eu des ouvrages qui ont été écrits à cette époque. Alors que nous, on était dans la contestation, dans la revendication, beaucoup de recherches avaient commencé déjà sur les inégalités. Moi-même, ma thèse était sur les inégalités soutenues en 79. Donc j'ai commencé en quelque sorte par la connaissance de femmes comme ça et par des lectures. En même temps, j'ai lu Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe. Donc c'est à ce moment-là que je pense, je ne le dis pas ouvertement. Je crois que je l'ai dit beaucoup plus tard, même si je l'ai écrit, mais je ne l'ai pas dit parce que c'était pas bien accepté, il faut le dire, hein, jusqu'à récemment qu'on a commencé à le dire. Et encore. Et encore, il faut l'assumer. En tant que syndicaliste, من وقت بورقيبة أنت تناضل مع الاتحاد العام التونسي للشغل. كيفاش ترى موقع ولا مواقع وتمثيلية النساء في لو جي تي تي؟ Au niveau de la base, pour répondre à la question, au niveau de la base, les femmes sont présentes, elles sont actives, elles font toutes les tâches que les hommes peuvent faire. Dans les structures un peu plus élevées, ça va encore. Quand on passe dans les structures nationales et régionales, et bien sûr au niveau du bureau exécutif, qu'il y a des rapports de pouvoir, des conflits de leadership, c'est là que les femmes se trouvent écartées. Et justement, en parlant de ce bureau exécutif, Menchérif El-Messadi, il a fallu 70 ans pour que tu sois dans le bureau exécutif. Syndicalisme et misogyne. Les syndicalistes, ça vient de l'histoire, mais c'est pas spécifique à la Tunisie. Ça vient de l'histoire du syndicalisme qui a été d'abord un syndicalisme ouvrier. Khaddam, le bleu de travail, le dockeret, le cheminot, c'est des hommes, c'est des secteurs masculins. Et donc les premiers secteurs qui se sont syndiqués étaient des secteurs féminins. Khaltou, les secteurs féminins, les infirmières, les institutrices, les enseignantes. Et c'est à ce moment-là qu'en Tunisie ont commencé la syndicalisation des femmes et leur arrivée au niveau des bureaux. Par exemple, Hedejad ou Oradea Drit, ils sont arrivés. Et puis au niveau du primaire aussi, Saadallah Hiriro, déjà, ils sont arrivés donc au bureau national. Qabliyen, en 1980, dans l'enseignement supérieur. Et au textile. La fédération de textile, c'est la première fois qu'il y avait eu une femme en 1980. Et moi, j'étais la première femme dans le syndicat de l'enseignement supérieur. Donc le secondaire et le primaire ont commencé avant nous. Il y avait une base féminine très, très importante. Mais quand même, ce n'est pas représentatif, parce que si dans l'enseignement il y a 40% de femmes, il n'y a pas, maintenant on doit être même plus que la parité en Oui. femmes,
n'y a pas la même, y a pas la même représentativité au niveau des structures dirigeantes. Donc, il reste encore une inégalité de genre dans le syndicat. Ça progresse très lentement, très très lentement. Au niveau du discours, on parle d'égalité, des droits, on défend les contre la violence, enfin, etc. Mais au niveau des enjeux pratiques de pouvoir, on est encore loin. Y a-t-il un lien entre le combat féministe et le combat syndical, Ah ou ce oui. sont deux combats Non, non, les non. Non, colhadiem non, non. L'histoire même des deux mouvements montre que dans la plupart des pays, ça a été. Il y a eu à un moment donné il y a un croisement. Ce n'est pas en faisant des mesures égales à tout le monde qu'on va garantir l'égalité de résultats. Donc, mm. peut-être qu'il y a des mesures, le statut de l'UGT ouvre à tout le monde, mais il y a des pratiques qui ne permettent pas aux femmes d'arriver. Et justement, parfois on a l'impression que les femmes, les centrales syndicales, le droit, on va dire, d'être épanouies. Eh. Il y a certaines caractéristiques féminines, Eh. 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 décolleté, Eh. Nachat. Tu dois être femme, mais pas trop. Et c'est vrai que pour celles qui ont exercé la responsabilité, moi-même, je l'ai dit, j'ai changé au niveau physique. À un moment donné, j'étais en quelque sorte inconsciemment prise en charge les normes masculines. Au moins de l'apparence. Enfin, Oui, mais je voulais dire, Charlèche, on peut se faire belle et être c'est la syndicaliste. pression du groupe. Les normes sociales sont là, elles changent, mais c'est progressif. Tu peux pas, c'est du bouscule, brusquement, à mon avis, hein, d'après ce que je connais, ce que j'étudie, ce que je vois. Disons, le processus de changement est un processus assez lent. Assez lent chez nous, parce qu'il y a aussi des enjeux de pouvoir. Le fait de. Il y a des enjeux de pouvoir, des enjeux de domination, c'est une forme de domination. Donc tu dois la contester, petit à petit, tu la contestes et tu introduis d'autres normes, petit à petit. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et dans tout ça, Dora, vous avez milité fait les années 80, Bjarmalt aux commissions femmes. Oui. Bon, là, on a commencé. Plutôt dans le féminisme. Donc, moi, je suis venue à la commission femmes et au syndic par le syndicalisme et par l'université, par les recherches universitaires. Mais il y a des copines qui sont venues par le club Tarhaded. Donc, moi, j'ai rejoint le club Tarhaded, par exemple, quand j'ai accédé au bureau du syndicat de l'enseignement supérieur. Il y avait déjà un petit mouvement aussi, déjà plusieurs grèves de femmes. Une des grandes grèves du textile a eu lieu en 75. Donc, c'était les premières grèves suite à la loi de 72, la loi sur l'industrie d'exportation. Donc, il y avait des grèves de femmes, il y avait tout un mouvement, il y a les premières professeurs qui sont arrivés au secondaire, et il y avait aussi le féminisme Club Tarhadé. Donc, tout ça, en quelque sorte, c'est ramassé, et on a organisé le 8 mars 82, il y a aussi, également, vous avez l'affiche ici, au syndicat de l'enseignement supérieur, puisque j'étais au bureau, donc on a pu organiser un grand 8 mars à la Bourse du Travail. On a invité à l'époque, il y avait Taïb Bakoche, Ramdan, il y avait beaucoup de personnes du bureau exécutif qui sont venues. Taïb Bakoche qui était en même temps au syndicat de l'enseignement supérieur, il y avait Junaïd Abdjaoued, et il y a eu des profs d'université comme Lahmou Abdelkader Zral et d'autres. Et plusieurs copines, Malia Barchat Kelmou, sur Atriki ou Hafida sur le plan des instruments internationaux, sur le plan de la réalité du travail des femmes, etc. Ou بعد خذينا الحكايه كلها ومشينا وقتها للجماعه البيرو اكزيكتيف دو لوجيديتي وطلبنا une commission syndicale. C'est comme ça que Cette commission a été c'est une créée. commission d'études des femmes travailleuses, d'études. Il ne s'agit pas d'intervenir sur les syndicats qui, quand il y a des problèmes syndicaux, c'est le syndicat. Mais vous devez fonctionner comme une structure de conseil, De d'expertise, recherche. de recherche, de débat, de produire des choses importantes pour le bureau Mais et ce n'est pour la pas une structure. instance décisoire. Pas de décision. Mais on a quand même bien travaillé, on a publié des articles, j'ai l'échappe.
On a fait aussi le fameux congrès, comme tu le vois dans l'ouvrage, le congrès, le 14e congrès, je crois. On a produit un gros rapport sur la situation des femmes qui n'était pas terrible à ce moment-là, jusqu'au moment où il y a eu la grande crise de l'UGTT, avec les gens qui ont été placés, là, comment on appelle ça, l'arabe, donc quel moi je dis, chorafé. Il y a eu chorafé, Abid ou compagnie. Donc quand il y a eu cette période, on s'est retiré. Il y a eu le local, on a perdu les archives internes et tout ça. Et il y a eu un deuxième redémarrage en 91, je pense, redémarrage de la commission syndicale avec Ahlem Belhaj et d'autres jeunes syndicalistes qui étaient présents à ce moment-là. Madora, on a l'impression qu'il n'y a pas une prise en compte, donc on va dire de l'approche de genre. Quand la centrale syndicale mène un combat social, le genre n'est pas pris en compte. Ça reste, il reste encore, mais je crois que c'est. D'abord, il y a eu plusieurs formations, mais c'est. Bon, je peux te dire aussi que c'est pareil dans les ministères de l'école. Il y a eu des tas de formations. Il y a eu un financement énorme pour former les cadres syndicaux sur l'approche genre, sur l'égalité de genre, sur comment intégrer le gender mainstreaming dans la politique syndicale. Dans le cahier de charge, les revendications. Mais ça n'a pas été suffisant. Ça n'a pas été suffisant. Bon, il y a des petites choses, mais au niveau de. Est-ce qu'on peut dire vraiment que quand il y a des négociations, il faut que les femmes soient présentes et en présentes en nombre suffisant. Si elles ne sont pas présentes, c'est difficile de prendre en compte leurs besoins. C'est difficile. Il n'y Donc, a pas de il y a traitement des mais spécifique il n'y a pas à de traitement. l'appauvrissement des femmes Il n'y a et à pas. l'exploitation des Il n'y a femmes. pas. Il n'y a pas. Tant qu'il y a la situation des femmes salariées en milieu rural, qui met le chômage, les femmes renvoyées au chômage, bon, il y a un traitement général de la situation des travailleurs agricoles, mais il n'y a pas de choses spécifiques pour. Ce qui ne Bon, serait pas juste. ce qui n'est pas juste. Normalement, c'est vrai, l'égalité aidée et formelle est importante, mais quand des gens disent oui, je vous tous le même but, vous arrivez au même but avec l'un de belles chaussures, l'autre la pieds nus, ça peut pas marcher, c'est pas de l'égalité. Dora Anchart, un ouvrage, s'amit les femmes tunisiennes dans le travail et le mouvement syndical, ou Amalt, une recherche très approfondie justement sur la centrale syndicale et les femmes, ou Taouij Dense, donc, ou le donc, justement, on dit le recherche, Hedi. Je n'ai le constat Mtéak. Ou une déception où c'était prévisible pour vous? Disons que bon, je dis c'est bien, il y a eu des progrès quand même. Il y a une femme au bout de 70 ans, je suis quand même assez déçue parce que j'espérais mieux avec toute l'euphorie de la parité, de la révolution, de ce qu'on va changer. La dictature c'est fini, etc. J'étais aussi, moi aussi, dans cet esprit-là. Et donc, je retrouve que finalement, c'est pas le cas. Un peu déçue, mais je me dis, il faut être patiente, petit à petit, peut-être ça va Désenchantement changer. de la Mahfouz ou voilà, Et pessimisme énergique. je suis plutôt dans un pessimisme énergique. Je ne baisse pas les bras. Je dis qu'il faut continuer. J'ai toujours des amis syndicalistes avec qui je suis en contact, hommes et femmes. Femmes qui sont des progressistes, qui croient à l'égalité, et qui me disent qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel secteur il faut intervenir, etc. Il faut des mesures musclées, il faut aussi que. Le problème, c'est que la base, disons, les femmes syndicalistes ne comprennent pas que leur intérêt est de s'unir aussi. C'est un peu ça le défaut des femmes. Elles sont divisées, elles se sont laissées diviser par les hommes. Donc, elles sont divisées. Donc, finalement, les hommes ont joué sur la division, pour dire les choses brutalement. Donc, il faudrait la prochaine fois s'organiser mieux et préparer le congrès
dans ce sens-là. Dora Mahfoud, avec toutes nos invitées, nous avons fait une recommandation de lecture. Je n'ai pas de temps à lire. Sur quel domaine? Elle est Aïkte. Moi, je pense qu'il faut lire des choses sur le féminisme. Et il y a beaucoup de choses qui se publient actuellement. Il faut lire aussi sur le syndicalisme, les deux thèmes. Les deux thèmes, il faut lire les deux thèmes. Merci beaucoup, Dora Mahfoud. Aïch, c'était un plaisir. Aïch. Ouais.